Ces objets qui comptent se racontent à Séné, Mario, citoyen d'un monde nouveau. Un globe terrestre, trouvé à Emmaüs, un message à délivrer, Mario a longtemps vécu le voyage cheminot en baluchon parcourant l'Europe sans papier. Émigré entre deux rives en attente d'un titre de séjour avant les accords de Schengen. Pendant près de vingt ans, le portugais de Porto a vendangé le vin qu'il a bu jusqu'à la lit dans le pays de Perpignan blanc sur rouge, rien ne bouge. Au cours des années 1970, dans le Val d'Oise, il se souvient avoir été l'un des dix mille Portugais à attendre un monde meilleur, logé dans des baraquements d'infortune. Autant de conditions inhumaines que Mario imaginait d'un autre temps. Utopie. Dans ce monde sans boussole, entre les mains d'intérêts politiques qui dépassent l'entendement des gens humbles, l'humanité continue de se nourrir au lait des guerres, aux mamelles des discriminations et de la souffrance. Mario ne peut se résoudre à cette misère humaine dans l'un des pays les plus puissants de la planète. Il s'interroge, regardant tourner un monde qui ne tourne pas rond, en rêvant de frontières libres, de bras ouverts et de mains tendues. Ces objets qui comptent se racontent à Séné. Exposition au Centre culturel Grincelle jusqu'au 30 janvier. Photos et textes de Christine Barbedet.